Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ce que j'ai pris pour ma copine pour les 30 ans et à son copain. Et aussi pour le bébé. Donc là, je vous fais une partie. Vous l'aurez bien après de ce que. Quand on va faire l'anniversaire et tout. Ou alors, je lui dirai de ne pas regarder la vidéo. Enfin, je verrai bien comment je vais dépatouiller tout ça. Donc, alors. Pour l'anniversaire des 30 ans, j'ai pris. Ça va être décousu cette vidéo. En fait, on avait un Skyrock. On avait un Skyrock ensemble. Du coup, j'ai fait une capture d'écran et hop. Du coup, ben, ça fera un petit souvenir de ce que de la belle époque, quoi, en gros. Ensuite, ça c'était son blog à elle. Et ensuite, j'ai trouvé ça pour son copain. En fait, c'est tout ce qui est ce qui s'est passé dans l'année 94, en fait. J'ai trouvé ça sur internet, donc ma foi, c'était pas mal. Il y avait Je danse le Mia. Il y Celui qui est né en 94, il y a Justin Bieber. Il y a la Ford Mondeo. Il y a pas mal de choses. Je trouvais que c'était intéressant. Enfin, moi, ça m'aurait plu de savoir. Bon, après, je voulais le faire personnaliser à moi, mais il fallait faire beaucoup de recherches. Et comme je me lance déjà dans l'album photo, soit dans l'album de naissance, du coup, ça fait beaucoup. Donc, alors, pour bébé, on a trouvé. Comme elle, en fait, elle aime bien les renards et tout. Bon, ça fait un peu girly, mais bon, c'est pas grave. Une petite tirelire. Normalement, ça doit s'enlever. Bah ouais, c'est comment pour s'enlever? Peux pas l'enlever? Quel bordel. Bon, bah, n'achetez pas cette tirelire parce que du coup, j'arrive pas à l'enlever, à moins qu'on doit le péter après, mais ça serait dommage. Du coup, je lui dirais de faire attention, de le faire juste en décoration, quoi. J'avais pas remarqué. Bon, il y a des trucs que j'ai achetés depuis un moment. Une petite. Enfin, voilà. Une berceuse, enfin. Je sais pas comment on appelle ça. Un petit renard. Ça, je l'ai eu à Leclerc. Ça, je l'ai eu à Socomani. Du coup, avec ça, j'avais eu un Vanity à Yves Rocher. Du coup, je vais mettre des trucs. Enfin, je vais mettre les doudous dedans. Avec la petite couverture que j'ai trouvée à Noz. Du coup, bah. Avec des petites étoiles. Je sais pas combien de filles. Tenir à l'écart du feu, non, son mec. Ouais, je crois que j'ai enlevé l'étiquette, du coup, je sais pas combien elle peut mesurer, mais bon, la taille d'un nouveau-né, je pense. Ensuite, un petit doudou koala comme ceci. Ça, je l'avais eu à Kiabi, il me semble. Ensuite, à Stokomani, on a pris un petit ensemble comme ceci. C'est un pyjama à pantalon et puis maillot. Donc c'était trop choupi. Ensuite, bah, mon frère il a trouvé des petits bavoirs, des petits cailloux. Un thème renard. Là il y a encore des petits renards et l'autre il est juste rayé. Comme ceci. C'est des petits trucs en triangle comme ça. Petit bavoir bandana, voilà, cherchez le mot. Et ensuite j'ai pris ça, j'espère qu'elle en a pas des. Je crois une gigoteuse ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, une gigoteuse, tu vois, j'ai pris en quoi? J'ai pris en 65 cm avec une fermeture qui va bien, voilà. Ça va, elle est assez bon, elle est fine, mais assez rembourrée. Donc,
logiquement cet été, même l'automne, ça devrait aller. Franchement, on ne savait pas la taille d'un nouveau-né. Du coup, on a pris, au pire, de toute façon, il n'y avait que ça. Donc, j'ai pris des petites baleines. Donc j'ai acheté une petite lumière pour les 30 ans du copain. Une lumière comme ça. Et c'est une mallette de jeu. Je sais pas si vous allez. Voilà. Après il faut enlever ça. Puis il y a un truc à enlever. Il n'y a pas un truc à enlever. Bref, on sent rien. J'ai essayé, il va parfaitement. Ensuite, pour les 30 ans de ma copine, bon, je pensais pas que c'était en synthétique, mais bon, voilà quoi. Donc, un petit renard comme ceci. Comme elle aime bien les renards, du coup, je me suis dit ça peut faire sympa comme cadeau. Je pensais pas que c'était ce tissu-là, mais bon. Ensuite, j'ai acheté un lot de body. Petite baleine, océan. Ça, je l'ai pris en 1-3 mois comme ça. Bon, il va le mettre maintenant. Voilà pour le lot. Ensuite, il y avait une collection années 90. J'ai pris du 6-9 mois. J'ai pris. Les rases moquettes, et je sais pas, il y a Arnold là. Je sais pas ce qu'est-ce qu'il vient faire là, Arnold, mais bon. Plus on est de fou, plus on rit, j'ai envie de dire. Ensuite, un autre body années 90. Toujours 6-9 mois, oui. Bon, ils sont assez transparents, hein. Mais bon. Les rases moquettes, petit clin d'œil à notre génération en même temps. J'ai acheté un petit ticket pour mettre dans. Bon, j'en voulais qu'un, mais manette de jeu pour mettre dans l'album de naissance. Donc, l'album de naissance, j'ai fait comme ça. Bon, je ne l'ai pas encore fini. Puis là, en dessous, elle mettra une photo. Ensuite, il y aura le sommaire. J'attends toujours qu'elle me réponde pour l'arbre généalogique. Là, la rencontre des parents. La présentation des parents. Avec une photo au milieu. Là, il faut que je mette la manette de jeu. Pendant que j'avais la manette, je l'ai mis là. Et ensuite, ouais, c'est tout. Après, il y aura l'arbre généalogique de la famille. Mais bon, j'attends toujours qu'elle me donne les informations. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Histoire de maman. Après, les membres de la famille et tout. Mais ça, c'est vrai qu'il faudra qu'ils le fassent. J'avais pensé à faire membre de la famille et mettre des photos. Mais tout dépend quelle photo elle va imprimer. C'est des grandes photos ou des petites photos. Du coup, je sais pas trop. Faut que je finisse déjà la page. Quand je marque album de naissance. Voilà.